Hey guys, welcome to Coca-Cola. Bienvenue chez Coca-Cola. On est ici à Signes, dans le Var, juste à côté du circuit du Castellet. J'ai mon laissez-passer et je vous propose de percer avec moi les secrets de la recette du Coca-Cola. Nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui avec Cynthia, on va tester son job de conductrice de ligne. Allez, suivez-moi. Salut Cynthia. Salut. Tu vas bien? Bien et toi? Bah ouais, je suis ravi de venir bosser ici avec toi. Ah bah moi aussi, je suis ravie de t'accueillir. Bon, on va enfin percer la recette du Coca-Cola avec toi. Pas avec moi. Ah bon, pourquoi? Ça reste secret. Bon, par contre, on va percer la recette de ton job. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi. Ici, je suis opératrice de production. Donc, ça veut dire que je soutire tout ce qui est pur jus concentré en IBC, en fût. Pour préparer les boissons. Exactement. On a Coca-Cola, on fabrique Fanta, Sprite. Bon, alors dis-moi, Cynthia, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Là, on va aller configurer la cuve. D'accord. Et comme ça, après, on reviendra ici pour commencer à soutirer le produit. À remplir. À remplir, ouais. Tu bosses ici depuis combien de temps? Alors, ça fait bientôt 2 ans D'accord. que je suis ici. J'ai commencé en intérim. Après, j'ai eu la chance de passer en CDD. Pas longtemps après, en CDI. Et avant, tu faisais quoi? Avant, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé dans l'esthétique. J'ai bifurqué dans la restauration et après, j'ai connu le monde de l'industrie et je ne suis plus jamais sortie. Qu'est-ce qui te plaît chez Coca-Cola en particulier? Il y a une très bonne ambiance. C'est vrai? Ouais, moi, je trouve qu'il y a une bonne ambiance, c'est plutôt une ambiance familiale. On est là pour surveiller les uns les autres, on ne laisse pas quelqu'un tout seul, on est toujours là. J'ai récupéré mon dossier. Donc la recette, elle est là? Elle est là. C'est vrai? Tu peux regarder? Non. C'est secret? C'est secret. Bon, il y a quoi dans ce dossier? Là, dans mon dossier, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir configurer ma ligne et la soutirer. D'accord. Avec un papier, justement, qui vient de l'étage au-dessus du mixing, où eux, en haut, reçoivent tout ce qui est pur, reçoivent les purs jus, font leur mélange, leur petite recette. Et ensuite, nous, on va soutirer tout ça. Il faut dire que c'est pas embouteillé ici. Hein. Non, nous ici, on fait pas d'embouteillage. Qu'est-ce qu'on va faire alors là? Et bien là, on va aller commencer à soutirer notre cuve. Et en combien de temps je vais être opérationnel, moi? Si j'y connais rien ici. Si tu connais rien, tous les jours en s'y mettant à fond en un mois. Est-ce que tu as des prélèvements à faire ou... Sur le début et sur la fin, on a des prélèvements à faire. Tu es responsable de ta qualité, quoi. Exactement. Et toi, ce qui te plaît, c'est quoi? Ce qui me plaît, moi, c'est qu'au final, bah, j'arrive le matin, j'ai mon planning et je sais que le lendemain, ce ne sera pas le même. D'accord. C'est pas quelque chose de monotone où on va être constamment sur la même chose. T'es multitâche, quoi. Exactement. Nous, ce qu'on aime justement, c'est la polyvalence. Ici, c'est fini. Maintenant, on va se diriger sur l'aseptique. L'aseptique, c'est quoi ça? C'est une très très grosse machine. Et sur celle-ci, en fait, on va soutirer des produits qui seront fermés hermétiquement et qui seront stérilisés et qui seront aseptisés. Ouais, c'est cool ton job. Franchement, oui. Franchement, c'est pas compliqué. Ah non, puis il n'y a pas forcément besoin d'avoir... C'est vraiment accessible à tout le monde. Ah bah oui. Il n'y a pas besoin de diplôme particulier, non? Non, non, pas du tout. Et Cynthia, tu connais les tambours du bronze? Sud, pour le cadre de vie, la plage, le soleil, tout ce qui va avec. Midi pour le boulot et minuit pour la fête. Expérience, parce que pour moi, un diplôme, ça définit pas le métier qu'on doit faire plus tard ou qui on est. Fanta, pour le goût. Bon bah Jerry, on a bien bossé. C'est la pause? Ça y est, c'est l'heure de la pause. J'ai le droit à ma boisson? Tu as le droit à ta boisson. Ah super. Alors toi, c'est quoi ta boisson préférée? Moi, c'est Fanta. Et moi, je prends un Coca zéro. Hop. Bah, merci beaucoup en tout cas. Tu m'embauches? Quand tu veux. Super. Et si vous aussi, vous voulez venir bosser ici chez Coca-Cola Midi, n'hésitez pas. Ils recrutent, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et Cynthia, n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous.